Israël intègre pour la première fois la liste des pays ayant passé les conventions requises avec les États-Unis pour que leurs citoyens puissent bénéficier de visas d'investisseurs. L'annonce a été faite mardi par le ministère de l'Industrie et du Commerce, après que le président américain Barack Obama ait signé une loi en ce sens. Baptisés E2, les visas donnent aux citoyens des pays sélectionnés la chance de venir aux États-Unis pour travailler, ou même diriger et contrôler une entreprise qu'ils ont établie. Bien que ce type de visa ne soit valide que 2 ans, l'investisseur peut en principe le renouveler aussi longtemps que l'entreprise continue d'être en exploitation. De plus, à cause d'un changement récent dans la loi, le conjoint d'un investisseur pourra lui aussi obtenir un permis de travail. En 10 ans, les investissements israéliens aux États-Unis ont atteint près de 60 millions de dollars, un montant qui place l'État hébreu parmi les 20 pays qui investissent le plus sur le sol américain.